À Lyon, la Fondation Elle Digital travaille pour favoriser la place des femmes dans le numérique. Pour cela, elle a trois axes de travail: fédérer les acteurs du secteur, sensibiliser les jeunes filles et accompagner les femmes en reconversion professionnelle. Of code qui a permis de mobiliser plus de, enfin de sensibiliser, d'offrir une heure de code à plus de 1300 collégiens de 6e en décembre. L'opération Les femmes des codes et jobs du digital dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat féminin où on peut permettre, alors on n'a pas encore les chiffres de la dernière édition, mais on permet de sensibiliser, il y a des témoignages de femmes professionnelles du numérique au métier du numérique. On a notre commission accompagnement qui organise des matinales qui permettent de mobiliser à chaque fois une centaine de femmes qui sont curieuses ou en questionnement sur la reconversion sur les métiers du numérique. Et puis on a encore des tas de projets. Elle Digital rassemble des partenaires publics et privés et fait fonctionner les énergies de chacun pour désacraliser le numérique et donner envie aux femmes d'y aller. Je vois aussi tous les freins que se mettent les femmes parce qu'à force de répéter des choses, ça devient, à force de rencontrer des âneries, des fois ça devient des vérités pour certaines personnes, des stéréotypes. Et je le vois, je le vis à travers mes ateliers, même dans ma vie personnelle, où on me dit oh, l'informatique c'est trop compliqué. Je dis non, mais c'est pas ça le digital. Hein, c'est, voilà. Parce qu'elles n'ont pas de rôle modèle, elles ne voient pas des femmes vraiment dans ces métiers-là, plutôt peut-être des hommes. Donc c'est important qu'on se montre, qu'il y ait des événements, que les réseaux soient plus visibles et que toutes ces femmes puissent venir discuter avec des femmes. Talentueuse dans le secteur du numérique. Elle Digital organise ou participe à plein d'événements toute l'année. Une date à noter dès maintenant, c'est la première université de la Fondation, ce sera le 30 août prochain. Donc le 30 août, l'objectif c'est de mettre en lien les entreprises avec tout l'écosystème de la Fondation Elle Digital, c'est-à-dire les femmes qui sont attirées par les métiers du numérique, les écoles et les entreprises pour faire du travail collaboratif ensemble, pour trouver des solutions. Pour pourvoir tous ces postes qui sont à pourvoir et avancer pour plus d'employabilité des femmes dans les métiers du numérique. La Fondation, de plus en plus sollicitée, cherche aussi des bénévoles. Toutes les informations sur leur site internet et sur le compte Twitter 4L Digital.